Alors, je suis tout à fait ravie de vous retrouver en cette belle journée de mercredi, jour de Mercure bien évidemment, sur ma chaîne Chris Sinclair Show, où nous allons parler aujourd'hui bien sûr d'harmonisation des lieux, mais pas que, d'accord? Donc ça va être un petit peu complet comme résumé. Dans un premier temps, je voudrais faire un petit bisou à ma petite Carla qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales et lui transmettre un petit message, si vous le voulez bien, mais qui sera valable pour vous les amis aussi. À savoir que dans la vie vous offre tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir du bien, vous pouvez avoir du mal, mais il faut faire vos propres choix. D'accord, ma petite Carla, c'est toi qui décides pour ta vie et personne d'autre. Voilà, le message est passé, mais c'est valable pour vous, mes amis. Vous voyez, la vie, elle est faite de ce que vous voulez qu'elle soit faite. Du bonheur, il y en a plein. Du malheur, il y en a plein également. Alors, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Merci pour vraiment, vous êtes top. Franchement, je suis toujours très, très émue de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me les laisser parce que je les lis tous. Voilà. Alors, vous m'avez posé une question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais je profite de cette antenne pour vous le dire. Alors, vous me posez tous la question, qu'est-ce que j'utilise comme fond de teint? Alors, avant, je prenais l'accord parfait de L'Oréal. Aujourd'hui, alors j'irai plutôt dans le côté nude, plutôt sérum, parce que ma vie est en train de changer, mon corps est en train d'évoluer, bien sûr. J'ai pu reprendre ma marche enfin aujourd'hui, parce que j'ai eu beaucoup de choses pendant une semaine. Et ici, nous avons donc le nude de L'Oréal. C'est un sérum teinté qui est très très bien, avec 1% d'acide hyaluronique, très très bien. C'est celui que je garderai par la suite. Et comme j'avais un sérum Superstay de Maybelline, vous savez, j'ai horreur de jeter, où il y a de la vitamine C, donc j'ai pris celui-ci aujourd'hui. Voilà, moi je fonctionne à l'ancienne, où on ne jette rien, c'est pas possible pour moi. Alors, nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, d'harmonisation des lieux, mais avant cela, je voulais vous expliquer quelque chose. Comment détecter quand vous allez quelque part auprès d'amis, enfin vous êtes invité quelque part pour la première fois, je vais vous donner un petit tuyau. Quand vous arrivez sur les lieux, si vous remarquez, il faut toujours chercher un miroir, d'accord, dans la pièce de vie ou dans l'entrée, vous cherchez, ou dans la cuisine, vous cherchez un miroir. Partout où je vais, alors ça c'est mon expérience personnelle hein, qui l'a voulu ainsi, je me regarde dans le miroir, si mon reflet me plaît, je me dis « ok, je suis bien accueilli ». Si mon reflet ne me plaît pas, à partir de ce moment-là, je fais attention à ce que je dis. À double raison, s'il n'y a pas de miroir. S'il n'y a pas de miroir dans la pièce de vie, dans l'entrée ou dans la cuisine, alors là, ça veut dire que les gens qui sont à l'intérieur ont des choses à vous cacher. À ce moment-là, pareil, on redouble de vigilance dans vos propos. Mais je vous encourage à aller dans la salle de bain ou prétexter d'aller vous laver les mains ou je ne sais, voyez-vous, vous allez aux toilettes puis à la salle de bain, alors en espérant qu'il y ait quand même des miroirs. À ce moment-là, vous faites couler l'eau, vous mettez les mains sous l'eau, vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux d'un seul coup dans le miroir. Et là, vous aurez, comment vous dirais-je,
l'au-delà. Enfin, vous verrez ce qui se passe exactement dans la maison. D'accord? Donc, vous aurez des informations de votre tenue lors de la soirée ou de l'après-midi avec les gens. Pour moi, ça a toujours été, alors, bingo sur le sujet. D'accord? Voilà. Ça, c'était un petit truc d'entrée de jeu. Si vous achetez un bien ou louez un bien, alors je vais vous dire ce que je ferai à votre place. On va parler ensemble toujours des trois encens, hein, benjoin, olibant et myrrhe, bien évidemment. Je rappelle que la magie n'appartient à personne, mais que la magie est universelle de tout temps. Si vous prenez un bien pour la première fois, je vous encourage à vous réserver un temps sur le week-end, notamment, d'accord? Vous allez dans le lieu toute seule, d'abord vous faites une méditation. Alors je sais très bien que beaucoup de gens ne savent pas méditer parce que j'ai des retours en ce sens. Alors je vais vous dire les amis, c'est pas compliqué. Vous mettez face à l'est, vous asseyez sur un fauteuil, d'accord, en tailleur, enfin, comme vous le souhaitez dans votre confort, une chaise, hein, pourquoi pas. Et vous mettez de la musique douce. D'accord? Je vous rappelle que le corps, et on en reparlera après, est composé de 66% d'eau. Et c'est très important parce que pour moi, le corps est une caisse de résonance. Si vous mettez de la musique, alors il y en a qui vont dire du son comme des tambourins ou des choses comme ça, c'est très bien, la musique va rentrer en résonance avec votre corps. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est très rare que j'ai eu dans une maison des entités très solides ou contraires. La plupart du temps, les entités que vous allez trouver, ce sont des entités qui vont faire résonance avec votre propre corps. C'est pour ça que certaines personnes sentiront certains événements dans certains lieux et puis d'autres, pas du tout. Mais il ne faut pas oublier que votre corps, votre esprit doivent être dans l'unité et pas dans la dualité. Je rappelle que 99% des gens fonctionnent dans la dualité. C'est pour ça que les entités ont une caisse de résonance facilement. Voilà. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à un lieu chaque fois qu'on va quelque part? C'est normal, c'est humain. Mais si vous êtes dans la dualité, automatiquement, vous allez attirer à vous tout ce qui est négatif. Surtout quand on a la peur, les angoisses, enfin, tous ces trucs-là. Donc, il faut remettre les choses en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour tout médium qui se respecte, c'est la méditation. D'accord? Voilà, si un médium ne médite pas, c'est sûr qu'il va arriver, il va avoir plein de soucis. Mais si vous méditez, vous retournez dans l'unité. Donc, le week-end, je vous encourage, alors là, pour le coup, c'est très rare que je dise ça, d'acheter des bâtons d'encens, d'accord? Des bâtons d'encens, habituellement, je vous parlerai surtout de résine. Mais là, vous prendrez 3 bâtons de benjoin, 3 bâtons d'oliban et 3 bâtons de myrrhe. Vous ferez cela, un jeudi soir sera le mieux, d'accord? Vous mettez de la musique, alors vous emportez un petit truc, un bébé portable, hein, pour mettre un petit peu de musique, et vous mettez vos encens en route. Alors moi j'ai des incantations, je vous expliquerai ce que j'ai fait à une amie un jour, d'accord? Alors si c'est juste un appartement simple, je vous dirai, il va falloir ouvrir toutes les portes, vous fermez les fenêtres et vous fermez les volets. Mais aussi les tiroirs, s'il reste des meubles, ben vous ouvrez les tiroirs, vous ouvrez tout dans leur entièreté. Vous vous tournez face à l'est, avec la petite musique, les encens qui démarrent. Si vous ne connaissez pas d'incantation, je vous avouerai qu'il faudrait dire soit le Notre Père, je vous salue Marie, bon, qui sont des choses assez connues dans notre civilisation actuelle. C'est ce que vous allez faire, vous allez vous relier. D'accord? Vous allez appeler les entités, voilà, vous allez appeler les entités et elles partiront. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et elles iront vers la lumière, tout simplement.
Il ne faut pas chercher midi à 14h. Si vous êtes dans la paix, dans l'unité, ça partira. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Quand vous arrivez dans un lieu, donc ça vient en amont de ce que je viens de vous dire, quand vous arrivez dans un lieu et que vous ressentez des choses, vous prenez un miroir. Alors moi, chaque fois que je vais, quand j'ai acheté ma maison par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un miroir, vous savez, les miroirs de toilette, comme autrefois. Et je vais dans chaque pièce, je regarde mon reflet dans le miroir. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je sens que mon reflet est bon? D'accord, des fois, bien souvent, je fais 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et je me regarde dans le miroir. Ça ne vous trahira pas. Automatiquement, si vous vous sentez bien par rapport à ce reflet, c'est que les harmonies sont bonnes. Si vous arrivez dans une pièce où il y a un problème, automatiquement, si vous voulez, le reflet, votre reflet ne vous conviendra pas. Et très souvent, là, on ressent des choses. Donc, dans un premier temps, vous pourrez faire ce que j'ai dit en amont par rapport à nettoyer toute la maison. Attention, si c'est une maison sur plusieurs étages, il faudra le faire sur plusieurs étages, c'est-à-dire un week-end et un week-end. Pour l'avoir fait à une jeune dame, enfin, il y a des années en arrière sur un guenot qui est devenue une très grande amie aujourd'hui, je lui ai dit « Ok, je viendrai chez toi, mais après tu dégages, tu décampes et tu fermes toutes les portes ». Donc elle a fait ça, je suis arrivée avec mes incantations, mes encens, enfin tout, j'ai tout mis en route. Elle est partie tout le week-end, elle est revenue, donc, parce qu'à la fin du week-end, je dirais le dimanche soir ou le lundi, vous réouvrez tout, d'accord? Il faut que tout s'en aille, bien évidemment. Et quand elle est revenue donc le lundi, d'accord, il s'est passé une chose, donc elle a tout ouvert. Il n'y avait plus de négatif dans l'appartement parce que sa fille avait, comment dire, elle était envoûtée par moment. Ça ne s'est plus jamais reproduit, mais ce qui a eu d'étonnant, c'est que tout son entourage s'est démasqué. Tous les gens qui lui souhaitaient du mal se sont démasqués. Ça fait qu'elle a pu recadrer tout le monde en une fois. Vous comprenez? Alors, je peux comprendre que dans certains lieux qu'on dit envoûtés, où il se passe des choses, les entités, les démons ou tout ce que vous voulez sont inférieurs à vous. Donc, il faut que vous soyez dans l'unité et que vous imposiez votre loi. Si vous êtes dans la dualité, dans l'éducastration, éducation, castration, c'est sûr qu'au fond de vous, vous allez être déstabilisé. Alors, ça peut arriver à tout le monde d'être déstabilisé. Moi, j'avoue qu'au mois de février l'année passée, donc il y a un an en arrière, j'ai eu une période où j'étais pas bien. Donc, j'ai une amie qui est intervenue, que vous connaissez tous, qui s'appelle Anne Cuellar, et qui a remis à distance de l'énergie positive, et en 30 secondes, c'était fait. D'ailleurs, je vous avoue sincèrement, c'est la première fois de ma vie. Je suis assez dubitative, vous savez, avec ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, de gens qui blablatent sur le sujet, et puis quand vous les testez, il n'y a pas grand-chose derrière, vous savez, voilà. Donc, si vous voulez, donc elle, j'ai testé sur mes amis, mon entourage et autres, ça a été d'une efficacité redoutable. Donc, si vous voulez avoir affaire à elle, c'est elle sans aucun problème. Ce que je veux vous dire par là, il ne faut jamais avoir peur des entités, parce qu'elles vont se servir de votre caisse de résonance que je vous expliquais au niveau des 66% de votre eau pour vous déstabiliser. Donc, au moins vous aurez peur, au mieux vous pourrez confronter la dualité et la chasser, tout simplement. Et la majeure partie du temps, vous savez, ici à la maison, je vous ai déjà expliqué, j'ai trois... Alors, j'aime pas le terme entité. J'ai trois esprits. J'en ai deux qui me suivent depuis toujours. Je sais de qui il s'agit, je les connais très bien. Et une troisième qui s'est présentée, l'ancienne propriétaire, qui me donne des messages pour mes voisins. Enfin, je pense à ma petite Lucienne qui est de l'autre côté de la rue, notamment. Bon, je leur donne leur message, je leur dis voilà ce qu'elle veut que vous sachiez. Et voilà. Mais ça se passe dans la paix. C'est pas toujours dans la négativité. C'est vrai que pour beaucoup, ils recherchent ou la lumière ou simplement ils ont du mal à partir.
ça se fera forcément au plus vous allez méditer, au plus vous allez en rentrer en communication ou en communion avec le tout, automatiquement, vous apporterez de la légèreté dans votre maison. Aujourd'hui, quand les gens débarquent chez moi, enfin la famille, amis ou autres, ils le disent tous, on n'a plus envie de partir. Ça, c'est vrai. J'en dis des fois, vous me lâchez. Et ce que je veux dire, ils ne veulent plus partir parce qu'ils se sentent en harmonie à la maison. D'ailleurs, tout le monde dort très très bien à la maison. Voilà, donc tout se passe bien. Donc, au niveau de l'harmonisation des lieux, c'est pas compliqué. Vous préparez le terrain. Alors, vous prenez votre glace pour vérifier que vous n'avez pas d'entité ou tout au moins vous sentez bien chez vous qu'il n'y a pas de problème. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire un nettoyage. Il est possible, il est vrai, que dans le temps, il y ait des entités qui débarquent, d'accord, ou des énergies pas forcément confortables. Eh bien, il ne faut pas avoir peur. Vous refaites le traitement, parce que j'appelle ça un traitement, vous refaites le traitement complet pour votre maison. C'est-à-dire, vous ouvrez toutes les portes, les placards, les tiroirs, tout ce que vous voulez. Vous dites aux gens qui sont chez vous, votre petite famille, on s'en va pour tout le week-end. Vous rentrez dans votre pièce, vous faites un autre père, je vous salue Marie, ou alors si vous avez des incantations, allez-y. Des sticks, alors bâton stick là pour le coup. Alors il y a certains qui vont dire oui, mais c'est mieux les gommes que les sticks, je vous l'accorde, très très bien. Mais là, il nous faut du temps, d'accord. Il faut que la bougie, d'ailleurs des petites bougies blanches, hein, vous le mettez dans un photophore comme je fais sur mon bureau. Vous allumez votre bougie. Alors, dès 8 heures, c'est beaucoup mieux. Vous trouverez ça en supermarché. Vous allumez vos encens, benjoin, myrrhe et olibans. Et vous foutez le camp. D'accord? Vous foutez le camp. Et quand vous revenez de votre week-end, vous ouvrez tout. C'est très important. Vous fermez vos tiroirs, vous fermez tout. Vous fermez vos tiroirs, vous ouvrez vos fenêtres, excusez-moi. Et automatiquement, vous vous sentirez mieux. Ça marche. Vraiment, il n'y a que des cas exceptionnels quand des maisons sont envoûtées. Eh ben, n'hésitez pas à faire appel à Nicola parce qu'elle, elle est vraiment top pour ça. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc sur l'harmonisation des lieux. Et avant de refermer cette page, je voudrais vous dire quelque chose. Sur YouTube, vous avez beaucoup de gens comme moi hein, qui vont vous offrir des vidéos pour vous informer sur certaines pratiques. Pour vous en sortir, que ce soit tout azimut. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas payer des formations qui vont vous prendre du blé et où vous n'apprendrez pas grand-chose. La seule chose que vous apprendrez, c'est que votre portefeuille sera vidé. Enfin, je suis un peu claire sur le sujet, n'est-ce pas? Voilà. Je vous embrasse très fort. On se retrouve demain matin pour d'autres... aventures, le titre ça va vous plaire, ce sera Choupiné. Je vous vois arriver dans votre délire. Voilà, gros bisous tendres et on se retrouve bien sûr pour. Donc, je ferai une vidéo vendredi soir sur cette chaîne où nous commencerons à aborder d'autres sujets un peu plus croustillants si vous voulez bien. Bye bye, bisous et surtout s'il vous plaît, on est pas sage, hein. D'accord, vous en collez une au passage, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sage, mais vous en collez une au passage. Oh, oh! Voyez-vous, moi j'adore le poids des mots, le choc des photos. Gros bisous tendres, bye bye les enfants. Bye!